Renaître de l'eau et de l'esprit. Mes enfants bien-aimés, paix et tout bien soit avec vous. Vous vous êtes réunis pour vous préparer à célébrer ma nativité. Je vous en remercie. Et je vous dis que vous avez eu raison, car ma naissance est le gage de votre renaissance. Je naquis dans le temps pour apporter la santé et la paix aux âmes qui naviguent sur la mer orageuse du monde. À vous qui devez renaître, je promets aussi la santé et la paix. Et je répète ce que j'ai dit à Nicodème, il est nécessaire de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Ainsi seulement, vous jouirez de la santé spirituelle qui vous est indispensable, afin de pouvoir aspirer à vous mettre en route et jouir ensuite de la vie éternelle, renaître de l'eau. Je ne vous parle pas de l'eau dans laquelle vous avez été plongé au fond baptismaux et qui devait opérer la purification de votre âme, de la faute originelle, triste et grand héritage de vos premiers parents. Triste parce qu'il y avait eu l'offense à Dieu, grand parce qu'il vous avait procuré la rédemption. Mais je vous parle de cette eau amère qui sont les larmes du repenti. Celles-ci peuvent libérer l'âme des fautes volontaires que tout homme commet par faiblesse ou parce qu'il est tenté, même si le pardon est sanctionné par le ministre de Dieu qui a reçu de lui la charge de pardonner. Mon invitation vise donc à vous faire accomplir ce bain purificateur, et pour qu'il vous soit plus facile de comprendre quelle est votre situation spirituelle, je vous prie de considérer combien de fautes vous avez commises dans votre vie, combien d'offenses adressées directement à Dieu et combien adressées à lui à travers votre prochain. Je voudrais que vous considériez l'amour infini dont Dieu a entouré votre existence et l'ingratitude par laquelle vous y avez répondu. Contemplez-moi crucifié, mes enfants, et dites-moi comment, de la part d'un homme, Dieu se paye la misère humaine. Je voudrais que la vue de crucifix vous fasse réfléchir et dispose votre cœur à accepter, comme conséquence du péché, toutes les souffrances, petites ou grandes, qui attristent votre vie. Je voudrais que ces souffrances vous rendent même prompte à les accepter, car elles sont la contribution de l'âme qui valorise le repentir de vos fautes. Renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, cela revient à dire renaître de la douleur et de l'amour. Mes enfants, si vous vous limitiez à détester vos fautes, vous resteriez à mi-chemin. L'amour complète votre renaissance, de manière à la rendre vigoureuse. Aimez Dieu, le prochain, et soi-même. Aimez avec l'Esprit de Dieu le Père, et avec l'Esprit de son Fils. Voici que je vous donne cet esprit et que je le répands dans vos âmes, comme jadis sur les apôtres réunis au Cénacle et sur ma sainte maman, afin que s'opérant en elle l'incarnation du Verbe. Ainsi, remplis d'amour, marchez sur les routes du monde et portez le fruit de votre renaissance spirituelle. Accomplissez silencieusement des œuvres de bien. Touchez les âmes et réveillez en tous ceux que vous approcherez la foi qui semble cachée comme la braise sous la cendre. Allez dans vos familles et apportez-leur la vraie joie, celle que peut semer celui-là seul qui vit avec Dieu. La joie très pure qui découle de la saine conscience de celui qui se comporte toujours comme l'enfant en présence de son Père. Portez à tous ceux que vous approcherez les fruits de l'Esprit Saint et que votre parole soit simple et éclairée, de sorte que tous puissent comprendre et se réjouir de votre rencontre. Qu'ainsi, rempli de l'Esprit Saint, votre cœur aspire à une perfection toujours plus grande et que toute difficulté disparaisse pour vous qui désirez ardemment le sommet. Que tout le monde soit édifié et aidé par vous. Avez-vous à vos côtés des personnes bonnes? Avec elles, devenez parfaits. Avez-vous à vos côtés des personnes éloignées de Dieu? Que jamais ne disparaisse votre confiance ni votre espérance. D'un seul regard, ne puis-je pas rappeler au bien des pécheurs endurcis? Persévérez dans l'amour, et vous verrez tomber les murailles qui se sont élevées entre vous et ceux qui vous sont chers, entre eux et moi. Moi, je ne vous promets pas en vain. Votre collaboration, faite de prières et de foi, sera le plus doux des liens qui, vous unissant à Dieu, augmentera votre intimité avec lui,
et contribuera à briser les chaînes qui tiennent ceux que vous aimez, liés au malin et à ses œuvres. Je vous bénis, mes enfants, et je vous promets aide et grâce. Soyez disponibles à mon service, car Dieu qui a créé le monde sans l'homme ne sauve pas l'homme sans sa collaboration. Aimez-vous tous, aimez tout le monde, aimez toujours, parce que le triomphe de l'amour est le triomphe de l'Église et le triomphe de Dieu.